Bienvenue sur Je suis née trois fois. Vous avez déjà vu Irène Grandin de nombreuses fois. C'est toujours un grand plaisir. Nous allons aller plus loin. Aujourd'hui, Irène, kinésithérapeute, fasciathérapeute à Vauvert, Irène Grandin, nous parle de stratégie. Alors oui, je voulais parler de stratégie par rapport à tout ce qui est douleur ou fatigue chronique et en fait ce qui emmène un déconditionnement physique. Forcément, quand on a mal, on n'ose plus faire. Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui vont écouter leur douleur, mais ne plus oser faire quoi que ce soit parce que, justement, de peur de se faire mal. Et puis, il va y avoir celles qui, douleur ou pas, de toute façon, vont continuer à aller à fond, et du coup, se refaire encore plus mal. Là, elles n'écoutent plus du tout les limites. Alors, au centre antidouleur, j'ai pu justement glaner des petites stratégies de thérapie comportementale et cognitive, et vraiment, ça porte ses fruits. Donc, on va déjà couper ça en plusieurs fois. Il y a déjà tout ce qui est fractionnement. Je vous donne d'abord les titres. Fractionnement, repos, prendre les limites, la règle des deux tiers, anticiper. Il y a 5 trucs. Okay ? Alors, fractionner, ça veut dire, ce qu'il faut aussi accepter, ce n'est pas toujours simple, c'est faire une action qu'on avait l'habitude avant de faire d'un coup, accepter de la faire en plusieurs fois. Alors, ça peut être marcher, ça peut être passer l'aspirateur, ça peut être faire la vaisselle, ça peut être n'importe quoi. Le tout, c'est de se prendre des pauses régulières. Ça peut être quand vous êtes sur une tablette ou sur l'ordinateur. Tous ceux qui ont des douleurs de cervicales, parce qu'à force, coupez le temps. Obligez-vous à... Alors, qui dit fractionner, dit pause. Les temps de pause, c'est pas forcément aller se coucher pendant une demi-heure. C'est juste changer de position ou changer d'action, juste pour que les muscles qui ont trop travaillé, eux, on les laisse au repos et on passe à autre chose. Après, si c'est des douleurs vraiment plus importantes, ça peut aussi se trouver une position de repos, un relax, allongé avec les genoux pliés, ça peut être écouter de la musique, ça peut être aller prendre un café, ça peut même être aller faire pipi, des fois c'est une super pause, il y en a qui ne prennent même pas ce temps-là, d'accord ? Donc, fractionner et prendre des temps de pause. Ok. Mais ça, c'est pas les repos quand tu dis. C'est encore autre chose que la deuxième catégorie. Alors, c'est avec les repos. Fractionner et repos. Enfin, quand on dit fractionner, il y a forcément du. Il y a forcément un temps de repos. Alors après, pour ceux et celles qui sont vraiment hyperactifs et qui n'accepteraient pas de se poser vraiment 5 minutes, ça peut être juste faire autre chose. Mais ça veut dire que même marcher quelques pas, pour toi, c'est déjà. Ça peut être considéré comme du repos. Le repos, c'est pas forcément aliter. Voilà, c'est ça. C'est vraiment pas forcément dormir. C'est pas s'allonger forcément. C'est à partir du moment où on change d'activité, les personnes qui travaillent au bureau, se faire une pause, se lever au bout de, allez, une heure, faire le tour de sa chaise, faire le tour de son bureau, aller voir le collègue, c'est une pause. Mais ça veut dire que pendant 5 minutes, tous les muscles qui étaient comme ça, crispés, voilà. On les laisse un petit peu se relâcher, on passe à autre chose. Bah là, c'est les jambes qui vont un peu plus travailler. Mais du coup, là, toutes les tensions qui commençaient à s'accumuler, bon, elles vont avoir le temps de se poser. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, on n'est pas comme ça. Ça demande quand même une certaine discipline, en fait. C'est hyper dur. D'accord. Au départ, ah ben non, mais c'est pas du tout naturel. Mais c'est ça, de toute façon, j'allais le redire après, c'est que ces stratégies, pour certaines personnes, ça peut paraître mais frustrant. C'est parce que c'est pas comme ça qu'elles voient leur activité ou la façon de faire, ou parce qu'il faudrait que ce soit... Après, c'est des contrats qu'on se met soi-même. Faut que je fasse tout d'un coup, faut que je sois hyper... C'est il faut. Ouais, sauf que dans le il faut, le corps, on l'écoute jamais. Sauf qu'au bout d'un moment, le corps, il fait « Ouh, je suis là !» Tu m'écoutes pas, ben là, je vais parler pour toi. Et là, je vais t'arrêter, mais pour de bon. Là, tu vas être obligé de t'arrêter, ce qui n'est pas forcément bon. Donc là, c'est une vraie stratégie, mais on anticipe, en fait. Plutôt que d'aller dans le mur, palier par palier, là, je sens que ça commence à tirer. Bon, bah ok, j'arrête. Donc, je fais autre chose. Donc, j'ai entendu fractionnement. Fractionner. Repos. Ouais. Le troisième, je ne me souviens plus. Alors, le troisième, justement, c'est pour aider à... c'est calculer une limite. Alors, c'est pareil. Ça peut sembler hyper compliqué, mais je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez l'habitude de marcher pendant
des heures et des heures. On va dire une heure. D'habitude, vous marchez pendant une heure, pas de souci. Et puis là, en ce moment, bah, vous avez peut-être une sciatique ou vous avez peut-être une douleur de genou qui fait qu'une heure, non, c'est plus possible. Donc, alors, c'est surtout valable pour les douleurs chroniques, mais finalement, même douleur aiguë, ça peut servir. Hein, mais vous allez calculer la limite, soit de temps de marche, soit de distance de marche. La limite, ça veut dire, douleur chronique, il y a toujours un fond douloureux. Voilà, il n'y a pas de douleur zéro. Mais par contre, ce qu'on veut éviter, c'est le pic de douleur, celui où vraiment là, ça va vous mettre par terre. Donc, je vais partir marcher. Alors, je me chausse bien, c'est pas aller faire les courses, j'ai pas 36 sacs, non, c'est marcher en conscience, c'est comme un exercice. Et je vais calculer à partir de quand je sens une douleur, ou je suis essoufflée, ou je suis fatiguée, ou j'ai le cœur qui palpite, ou dès qu'il y a un symptôme autre qui arrive, ça c'est ma limite. À partir de cette limite magique, on fait la règle des deux tiers. Et là, vous allez voir. Vous avez fait un joli petit dessin. Règle des deux tiers. Si je suis là, jusque-là, c'est la partie où je travaille musculairement et je continue à faire fonctionner mes muscles et je les entretiens. Ok ? Là, c'est la partie dans le rouge où je vais le payer derrière. Je vais trop loin. Donc si on dit que, par exemple, votre limite, c'est 30 minutes, ben, ça veut dire que tous les jours, vous allez marcher pendant 20 minutes. Mais ça veut dire que quotidiennement, 20 minutes, ça entretient vos muscles, ça continue de tout faire fonctionner, mais vous n'allez jamais dans la zone où vous le payez. Mais si, par exemple, je pense à certains patients, ben, au début, ils me disaient, ben, c'est 5 minutes. Alors, c'est là où j'ai pris 30 minutes exprès. J'ai plein de patients, quand on faisait le test, pour eux, ça équivalait à marcher 5 minutes. Et pour eux, c'était juste pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire marcher 5 minutes? Oui, j'entends bien, ça a l'air ridicule. Sauf que 5 minutes tous les jours, au bout de 15 jours déjà, vous referez le test, vous verrez que vous allez plus loin. C'est une stratégie. C'est vraiment, c'est aller en fonction de votre corps. L'ennemi de la reprise d'activité, c'est le « comme avant ». Votre corps, il veut bien faire comme avant, mais il n'en a plus les capacités. Surtout quand il y a eu des conditionnements physiques parce qu'on est resté longtemps à ne pas bouger ou parce que les douleurs nous empêchaient de faire certains mouvements. On ne peut pas revenir comme avant tout de suite. Ça, c'est une stratégie pour arriver à comme avant, mais progressivement. Mais donc ça veut dire être assidu. Et cultiver aussi, peut-être, si c'est possible, la joie de ces 5 minutes. Merci. C'est que justement, ces règles des deux tiers, vu que vous serez toujours dans la zone de confort, vous ne vous mettez pas en échec. Si vous allez au-delà de ces deux tiers, ça veut dire que derrière, soit même pendant, soit 3 jours après, vous allez être alité parce que vous avez déclenché des douleurs. Psychologiquement, qu'est-ce qui est mieux? De rester, d'avoir fait 30 minutes, mais de rester 3 jours au lit? Ou au final, d'avoir fait un peu moins, mais tous les jours, parce que ça veut dire aussi bouger tous les jours, mais du coup, ne pas le payer derrière. Après, chacun est libre de choisir. Pour moi, la stratégie la meilleure, c'est quand même de garder une activité quotidienne. Moi, je me souviendrai toujours de Philippe Gourdin, que tu accompagnais à l'hôpital Saint-Antoine. Et à un moment, il ne pouvait pas faire plus que le bout du jardin. Et il me disait, mais je suis nulle, nanana. Et je savais qu'il faisait de la photo. Et je lui dis, mais du coup, pourquoi vous n'en profitez pas pour faire de la photo? Et en fait, il a développé la macro, le fait de faire des photos de fleurs. Et il m'a dit, j'aurais jamais cru que finalement dans ce trajet, il y avait autant de richesses. Et ça a été vraiment tout un cheminement, mais aussi parce que c'est dur au niveau de l'ego. Complètement. Moi, il me disait, j'ose même pas dire à mes collègues, ils faisaient du tennis, quoi. Donc il me disait, j'ose pas dire, je vais au bout du jardin, que je suis fatiguée. Mais au fur et à mesure, ce bout du jardin, j'allais dire, il a vraiment ouvert un espace. Alors c'était intéressant parce que dans l'espace petit, il a fait des grandes photos. Ouais. C'est chouette. Ouais, c'est un beau chemin. Oui, non, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça nous oblige à ouvrir des espaces peut-être méconnus, en fait. C'est ça. Et cette règle des deux tiers, ça peut être comment je passe l'aspirateur à la maison. Décidément, l'aspirateur, je l'aime beaucoup. Enfin, non. Ça peut être, je ne sais pas, le repassage. Ça peut être, quand je dis activité physique, ce n'est pas forcément aller courir. Prenez votre journée et notez tout ce que vous faites dans une journée.
souvent les gens qui sont en douleur chronique ou tout ça, ont l'impression qu'elles font rien dans la journée, comparé à avant. D'accord. Mais quand on leur fait noter, vraiment, toutes les activités qu'elles font, si par exemple, moi, je prenais la feuille de quelqu'un avec une pathologie qui me dit toutes ces... Et je regarde son planning et je fais, non, mais moi, je ne fais pas un tiers de ce que vous faites. Mais pour elle, ce n'est pas assez. Donc, il y a ça aussi, c'est le fait aussi de se rendre compte que si on fait déjà beaucoup de choses et que prendre sa toilette, ça va, quand on n'est pas bien, c'est déjà beaucoup d'énergie. S'habiller, c'est beaucoup d'énergie. Faire son lit, n'en parlons pas. Faire à manger, n'en parlons pas. S'occuper des enfants, aller chercher les enfants. Il y a tellement de choses qui sont énergivores quand on n'est pas bien. C'est pas parce qu'on a l'impression qu'elles sont pas utiles. Ben, si, elles font partie du quotidien. On en a besoin pour vivre. Et on ne peut pas les retirer. Donc, c'est quoi ma stratégie pour continuer à faire, mais autrement? Donc là, j'en ai trois. Ouais, trois, quatre. La règle des deux tiers et les limites, ça va avec. Repos, limites. Limites. Deux règle tiers. Règle des deux tiers. Donc, et donc ou quelque part où je dois me canaliser. C'est ça. Voilà. Mais pour du mieux après. Okay. Mais c'est hyper dur. Ça, j'entends que c'est difficile à entendre que il faut que je fasse peu régulièrement pour qu'après ça aille mieux. Mais promis, je vous jure, ça marche. Au bout de 15 jours, quand on refaisait les limites des exercices qu'on avait donnés aux patients, mais tous augmentaient. Donc, pas à pas, plus loin. C'est un peu ce que je retiens. Ouais, c'est ça. Cinq. Le cinquième, c'est anticiper. Alors, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Vous prenez deux feuilles. Sur une feuille, vous notez tout ce qui augmente ou crée des douleurs. Alors là, vous pouvez faire toutes vos listes. Alors, ça peut être un mouvement, ça peut être une position, ça peut être l'appel de la belle-mère, ça peut être le patron, ça peut être... On s'en fiche. On note vraiment tout ce qui crée ou augmente la douleur. Sur l'autre feuille, tout ce qui diminue, voire enlève la douleur. Tout ce qui vous calme, tout ce qui vous détend, tout ce qui vous fait du bien. La liste de tout ce qui augmente la douleur, ben, en fait, c'est ce qu'il va falloir anticiper dans la vie de tous les jours. Il y a des choses, on ne va pas pouvoir les enlever. On ne va pas s'empêcher de vivre certaines choses parce qu'on sait qu'elles vont nous faire mal, mais du coup, bah, je ne peux pas toutes les enlever. Comment je fais? Eh bien, on va se servir de l'autre feuille. L'autre feuille, en fait, c'est ce qu'on appelle la boîte à outils. D'accord. Notre boîte à outils, alors ça peut être une position de repos, ça peut être de la musique, ça peut être un parfum, ça peut être chanter, ça peut être des thérapies, ça peut être un massage, ça peut être... Ça peut être du tennis, ça peut être... Il y a tellement de choses. Notez ce qui vous fait du bien. Chanter une chanson qu'on aime. Mais ça veut dire s'autoriser, parce que là, quand tu le dis, ça veut dire aussi s'autoriser à pouvoir le vivre. Je pense à une dame qui me disait « je n'irai plus à Noël dans ma famille ». Puis au fur et à mesure de décortiquage de « j'irai plus à Noël dans ma famille », en fait, elle est arrivée que les repas de famille chez elle étaient longs et du coup, tenir assise était douloureux et qu'elle préférait ne pas y aller que de dire « je ne peux pas tenir 3 heures à table ». Et donc, au bout d'un certain temps, elle a fini par parler à quelqu'un de la famille et ils se sont mis d'accord qu'à un moment dans le repas, il y avait toujours un moment un peu comme le trou normand, ben, elle a quitté la table, elle allait s'allonger et elle était très surprise parce qu'en moins de 20 minutes, en fait, elle est revenue. Super. Et il y en a plusieurs qui, oui, ont vu qu'elle était partie, mais finalement, le repas, il n'y a pas eu plus de commentaires que ça et elle a été hyper surprise de Génial. Bien vivre ce temps. Mais Super elle m'a dit, stratégie. J'ai mis 6 mois... Oui. Je sais pas, c'est de l'anticipation, mais en tout cas, elle a 6 mois pour s'autoriser à aller s'allonger pendant un moment où pour elle, normalement, il faut tenir droite, quoi. Parce que on se met aussi beaucoup de contrats, parce qu'on culpabilise, parce qu'on a peur du regard des autres, et il y a des tas de choses derrière. Mais à partir du moment, c'est pour ça que toutes ces stratégies, c'est bien de les tester déjà un peu chez soi. Il y en a qui vont marcher tout de suite. Bon, bah, vous allez les accepter et les adopter tout de suite parce que vous voyez que ça marche. Il y en a d'autres, bah, ça va demander un petit peu plus de rigueur, un petit peu plus, ça va être sur du plus long terme. Mais au final, l'exemple, c'est parfait. Elle avait besoin d'une pause. Oui. Et cette pause, bah, voilà, dans la stratégie, ça veut dire que dans les choses qui calment ses douleurs, dans sa boîte à outils, il y avait pause. Oui. Et bah, là, elle a su comment le mettre dans son moment difficile. Mais comme elle m'a dit, elle a eu accès à ses ressources, à ta boîte à outils, mais aussi parce qu'elle a eu une grosse dose d'humilité, parce que pour elle, dire à sa famille qu'elle avait encore mal 2 ans après l'opération, c'était humiliant. Ça aurait fait partie des choses, éventuellement, qui pouvaient aussi augmenter sa douleur. Oui.
Le fait de le savoir, c'est déjà bien. Le fait de le noter, de le mettre par écrit, d'avoir vraiment quelque chose de... Parce qu'après, il y a des choses finalement, même dans la liste des choses qui augmentent la douleur, il y a des choses, on va peut-être finir par pouvoir les rayer. Oui. Parce qu'on aura tellement appris à les gérer, ces choses-là. Elles ne font plus partie... Je pense que c'est plus intéressant de voir une grande liste au début, mais de pouvoir petit à petit, elle, la réduire. Et par contre, la boîte à outils, pareil, de noter tous les outils qu'on a. Parce qu'il y a des choses, on ne se rend même pas compte que ça nous fait du bien. Moi, j'avais une dame, c'était chanter. Oui. Et chanter, mais à chaque fois qu'elle chante, ça lui fait un bien fou. Et elle n'osait pas le faire. Vous êtes toute seule, qu'est-ce qui vous empêche de chanter quand vous avez envie, quand vous avez mal? Mais chanter. Et elle est revenue me voir après, elle fait... Franchement, je pense que j'ai jamais autant chanté dans la semaine, mais alors ça m'a fait un bien fou. Eh bien voilà, pour vous, ça marche. Pour moi, ça n'aurait pas marché le chant. Mais chacun, c'est là où il faut que ce soit très personnalisé. C'est sa boîte à outils. Et ma boîte à outils n'est pas la tienne, ni celle du voisin. C'est là où faut... il y a des choses qui seront sûrement en commune, mais c'est un vrai travail de détective de noter qu'est-ce qui me fait du bien. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ce travail de détective, vous allez apprendre à vous connaître, apprendre à vous respecter, apprendre à vous accompagner. Et ça, c'est que du bonheur. Merci et à bientôt. Merci. Sur Je suis née trois fois.